blesse les sentiments religieux, point. Benjamin, tu n'as pas de sentiments religieux. Comment tu peux le savoir? Tu dois s'excuser, dans l'après-midi, il fera quelques longueurs supplémentaires en maillot de bain et l'affaire sera close, il n'a fait de mal à personne, après tout. Je n'excuserai pas. Comment ça? Bien sûr que tu vas t'excuser. Parce que je n'ai rien fait de travers. C'est vous qui faites tout de travers, pas moi. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Mon garçon ne parle plus que par citation de la Bible. Je ne vois rien de mal à ce qu'un jeune homme se tourne vers l'écriture sainte. Il ne se tourne vers rien du tout. Il s'en fout complètement de l'écriture sainte. Tout ce qu'il veut, c'est m'énerver. L'Église a besoin de gens comme toi. Mais des gens comme moi n'ont pas besoin de l'Église. Les femmes doivent rester soumises comme dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelques détails, qu'elles interrogent leur mari, à la maison. Tu vas aller loin avec ça. Tu as déjà la moitié de la population mondiale contre toi. Madame Roth essaie de nous mettre des bâtons dans les roues dès qu'elle le peut. Et c'est pourquoi nous devons lui fermer la bouche. Mais si elle est si mauvaise que ça, Dieu finira bien par la punir lui-même, non? Nous sommes la punition de Dieu. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de vous jeter dans la géhenne. Oui, je vous le déclare, c'est celui-là que vous devez craindre. Tu vas traverser la ville en boitant sur ta jambe trop courte et continuer à puer et puer encore dans ta tombe si tu ne réfléchis pas et si tu ne saisis pas la main que Dieu te tend.